Guillaume Maillard, vous entendez là les supporters lausannois qui chantent à votre gloire, puisque demain c'est votre anniversaire. Un cadeau ce soir, 4-3, victoire contre Davos, ça a été difficile à se dessiner. Hein. Ça se voyait qu'on avait un match hier à Berne, ça fait je sais pas une semaine je crois qu'ils n'ont pas eu de match. Du coup ça se voyait qu'ils avaient un peu les jambes plus fraîches que les nôtres au début, mais on a su travailler de la bonne manière pour équilibrer un peu le niveau des deux équipes et on a vu le résultat. Et déjà hier à Berne c'était difficile, hein. Lausanne a souffert pour garder ce résultat. Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment ne pas se faire autant de soucis en fin de match? Écoute, je suis honnête avec toi, ils changent, j'écoute à eux, je n'ai pas écouté ta question. Qu'est-ce qu'il faut à Lausanne pour éviter de vivre des fins de match comme ça compliquées et stressantes? Je pense que comme à chaque match, il faut juste saisir nos occasions, les mettre quand on a les occasions. Et puis voilà, on savait que Davos était fort en powerplay, très fort même. Et puis on a pris des pénalités un peu stupides et puis on a payé le prix. Mais à la fin, on a fini sur un magnifique boxplay. On a vu qu'on pouvait jouer toute son équipe et c'est magnifique. Merci bien.